conférence pour nous parler de manifestation qui fait hier là. Mes conférences là sont mises au point que je devais faire sur plusieurs dossiers que il a soulevé et que moi pensé c'est pas une réponse que m'a bail par rapport à des dossiers qui a soulevé dans la presse, mais sont mises au point par souci de transparence et surtout par respect pour les haïtiens. Parce que nous connaissons depuis nos batailles, depuis nos oppositions, il y a toujours essayé de faire provocation. Mais il est important par souci de transparence pour nous parler à la population. Nous avons commencé par dire, nous féliciter les haïtiens pour la grande marche qui fait hier. Et ceci dans tout le pays. Vous parlez de plus de 1 million de monde qui ont marché, que ce soit Port-au-Prince, au Cap, Saint-Marc, Bonaïve, au Caï. Et là, nous gardons pour être toute catégorie de monde qui était dans la rue, que ce soit personnalité, monde à mobilité réduite, ça a des handicapés, grand monde, petit monde, que tout était dans la rue, ça montrait justement son fond de refus que le Haïtien fait contre kidnapping, contre insécurité. C'est une manifestation pour constitution, pour respect date 7 février 2021, pour dire que le mandat Jovenel fini et pour gagner un gouvernement de rupture qui a fait une bonne élection crédible, honnête et démocratique. Nous disons félicitations pour le peuple haïtien et au niveau de l'opposition, on a continué la bataille avec la société civile pour que le peuple haïtien, le pays a qu'à rejoindre la démocratie. Nous disons aïe bobo pour le peuple haïtien. Nous avons gagné, j'en ai dit au départ, plusieurs dossiers ont été soulevés, au moins 4 dossiers que nous voulons parler de eux, parce que nous pensons que comme homme d'État, et par souci de transparence, les combats qui parlent, je ne vais pas courir pour aller répondre, mais leur parler, et qu'il y a pile de monde qui attendait, ils connaissent qui ça a couillé, ils connaissent nos explications, et c'est peut-être ça que nous voulons faire mise au point ça. Première mise au point, la FEL, par rapport à un dossier parlement, un dossier chèque 800 000 goudes qui sortit sous nos mamans Carmen Cantave et a parlé de corruption. Je dis tout le monde que le sénateur ou dans le Sénat, il y a 30 sénateurs dans la première madame, 29 dans la deuxième, tout sénateur a le droit à un coordonnateur pour le bureau dans le département. Et lorsqu'on entre dans le Sénat, ils réunissent, ils disent que ils n'ont pas qu'à faire chèque là, sous nom, parce qu'ils ont déjà un chèque de salaire. Ils ont fait fort, par non, un monde de confiance, que ils ont fait chèque là, sous nom, pour le payer personnel qui est dans le bureau. Et que les gens qui ont choisi, ils signent un contrat avec le Sénat pour qu'ils fassent chèque là pour le sortir. Chaque mois pour payer personnel qui est dans le bureau. Comme monde de confiance, nous avons deux ou trois coordonnateurs, mais dernier coordonnatrice, c'est maman, qui est monde de confiance, hein, que moi j'ai choisi pour que je gère le bureau. Il recevoir comme là chaque mois pour payer personnel qui est dans le bureau. Et personnel ça qui est dans le bureau, il faut nous dire recevoir comme chaque mois. Mais maman n'a pas employé et n'a pas touché là-dedans. C'est un service que tu as rendu par rapport peut-être à des gens avant qui te recevoir chèque là et qui n'ont pas payé les gens. Donc, l'idée là, de recevoir chèque là pour payer les gens. Malgré que dans le Sénat, il n'y a pas jamais demandé pour que les gens, pour qu'on remette le rapport de les gens qui recevoir comme là, moi-même, je dis toujours, dès que les gens recevoir comme faire le signe. Faites signer en papier de ce que nous recevons comme là, dans le bureau, côté de la campagne. Chèque qui sortit, qui est environ 800 000 gouttes là, ce n'est pas chèque au mois que lié. C'est un chèque pour octobre 2019, novembre, décembre et janvier. Dans janvier, c'était 13 jours de gagné.
chèque ça nous pas recevoir en janvier 2020. Yo bay li en mai 2020. Ça veut dire que 4 mois après puisque tu es toujours en retard. Mais là yo bay li c'est remettre yo te remettre encore que employé qui dans bureau yo te ganta recevoir déjà. N'a dit tout journaliste qui là. Il y a 10 sénateurs qui là connier. N'a même nous font une enquête. N'a même aller vérifier d'après si chaque sénateur pas un coordonnateur du rôle et si c'est pas un proche lui que choisi pour gérer le rôle. Pas gagner aucune corruption dans ça. C'est un privilège que sénateur a gagné pour choisir un monde qui pour gérer du rôle. M'a dit que sous dossier ça, un journaliste qui t'a dit que sénateur t'a fait menace. Nous avons une relation avec nous depuis environ 15 ans pendant 2 mandats sénateur. Journaliste, c'est meilleur à bien. Puisque moi-même, je suis qui toujours gagne une conférence de presse, que n'a pas, que ce soit la commission justice et anticorruption, c'est journaliste qui toujours fait connaître. Donc, journaliste, c'est bon à bien. Ce qui est arrivé, c'est que journaliste qui parlait du dossier, moi, je l'ai rencontré dans l'hôtel Oasis. Mais avant de rencontrer, moi, je dans ce type de réunion, mais avant de rencontrer, il était relé. Moi, je te dis, à vérifier dans le Sénat, ou après que ces chers coordonnateurs, mon temps que vous avez passé pour 4 mois, vous n'avez pas même besoin de demander, parce que l'I dans le Sénat, l'information est là. Cependant, il n'a pas choisi de faire ça, il était reprendre le dossier à la souhait. Pas oublier, M. Dambila. Ça m'a parlé de moi, c'est que c'est un dossier qui était soulevé déjà, ce moment. Un dossier de prêt, je te dis, maman, prêtez corps. Et après, en pile, monter des sangs, je dis, maman, pas prêtez corps. Le 13 décembre 2020, maman fait un stroke à cause de parler à parler. Attention, dès qu'on monte, le 13 dit, font un stroke, il perd du langage. Et ça, te bail un pile problème. Parce que, qui est-ce qui parle de maman? Qui est là pour mon avoué monter sous maman yo pour que ou accepter mon affaire mentir sous maman? Et dans ce sens, ça, moi j'étais ouais journaliste là pendant ma descente, ma soutenue réunion. Il est venu en dernier la bande la main. Moi dit, moi pas bon la main. Moi retire au salut ou pas mériter ça. Parce que si vous êtes un journaliste qui est honnête, ou t'as pas vérifié et ou pas t'as dit sur des diabos. M'a jamais non fait une menace ni n'a manqué mon dégât. Parce que côté me sortir, son côté très humble et moi comme côté me sortir et moi comme côté me parler. Donc moi t'es venu éclaircir les gens à aucun moment. Pas de rien, question de menace. Moi t'es retiré le salut parce que moi pensé s'il était honnête. S'il devait probité, il t'a pas vérifié question avant le parler de lui. Ça, c'est sous dossier question parlement. Deuxième dossier. Pendant ce maintenant, moi entendez, yo parler et yo dit que sénateur yo pendant que nous était là, yo te gagné 25 millions de gouttes chaque année pour faire projet. Et bien a dit que pendant de 2016 à 2020, il y a deux montants. On montant 10 millions de gouttes et on montant 25 millions de gouttes que yo te mette dans FAES à disposition de sénateurs pour yo faire projet avec comme ça. Moi-même, moi te choisi éducation. Moi te mandé au niveau de Sénat pour que yo construit deux universités la Thibonite. Université ça c'est UPAD, Université publique Ogonaïve et UPAS, Université publique du Bas-Antibonite à Saint-Marc. Il a fonctionné, oui, mais il n'y a pas local. C'est dans le loyer que vous y êtes. Et dans ce sens, je demande pour vous construire le local avec comme ça. Nous ne connaissons pas la compte, mais nous avons dit que nous avons commencé. FAES a fait un premier appel d'offres. Côté où tu as choisi par Nexus pour construire l'université. Malheureusement, Panexus a des problèmes avec DGI, il n'a pas fait travail. Et FAES fait un deuxième appel d'offres
côté de Devin choisi firme ingénieur Pollux Saint-Jean. Pollux, excusez, Paul Pollux, excusez-moi. Qui lui-même, eh bien, a gagné pour construire deux universités, local UPAS et local UPAC. Malheureusement, Kobla n'a pas jamais débloqué à cause de problèmes administratifs. Il a dit qu'il a gagné. Moi-même, je pense que il n'est pas normal que pour certains sénateurs, ils aient débloqué quoi. Pour d'autres, moi-même qui choisis de construire deux locales d'université, ils n'ont pas débloqué pour moi. Mais le 20 novembre 2020, moi écrit, nous pas laisser faire et photos pour nous voir tout journaliste. Moi écrit, directeur Fayez là, avec accusé réception, moi dit que il y a 35 millions de gouttes dans mer pour faire projet de construire deux locales universitaires. Moi t'a rêvé que rentrer en contact avec le recteur Gonaïve là, hein, qui c'est monsieur Odile et monsieur Dextra qui c'est recteur Saint-Marc là. Moi dit m'a mettre en contact avec Mounsayo pour que yo ka continuer projet yo et débloquer commune. Mais lettre là avec accusé réception, moi je dois pas lire lettre là mais m'a voué pour nous que recevoir en novembre 2020. Nous actuellement en mars 2021. Et derrière ça, moi écrit recteur Saint-Marc là pour me dire que comme la disponible pour que yo continuer à question locale là, monsieur Hugues Dextra, et moi écrit également monsieur Odile pour me dire que les deux lettres pour me dire que comme la disponible fait contact à directeur Fayez là. Moi relé directeur Fayez là et moi dire rentrer en contact avec deux recteurs pour que le projet a continué. Et le projet yo te grand temps depuis longtemps yo te grand temps by plan yo de construction, que ce soit dans Gonaïve et dans Saint-Marc. Donc, dans la question du projet Sayo que vous parlez, au niveau du sénateur La Tortue, nous-mêmes, nous avons choisi l'éducation et pour le moment, comme la Fayez, qui lui-même en contact avec deux recteurs, d'après l'aide de l'école, pour que vous continuez la construction universitaire au niveau de l'Antibonite, soit Gonaïve et Saint-Marc. On a continué avec le dossier que vous parlez de l'Itou, mairie Saint-Marc. Mairie Saint-Marc, c'est le magistrat Nicolas Dorvilus. Magistrat Nicolas Dorvilus, c'est le maire Saint-Marc. Il était écrit pour que l'Itou dit que l'Itou voulait reconstruire le marché Saint-Marc là. Qui ça y a fait pour lui? Eh bien, nous te dire comme député sénateur, nous voulons voir si qu'il y a des fonds qui sont dans le budget pour que vous arrivez à reconstruire le marché Saint-Marc. Eh bien, fonds que vous avez mis, qui était 23 millions de gouttes, n'est pas suffisant. Et nous te dit nous si nous avons fait l'autre démarche. Nous-mêmes, nous avons fait une démarche beaucoup de NACOM et nous avons demandé pour que vous aidez les magistrats eh bien, construire le marché Saint-Marc. Yo te bay plan et NACOM le 6 janvier 2018 li remet eh bien avec Maïsra un chèque de 10 millions de gourdes à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Et là ça sur table là gagné NACOM moi-même magistrat et l'autre employé et m'a fait photo pour nous voyer ba nous. Donc chèque ça li nommé Maïsra Nicolas Dominus qui lui-même tape tant de rescopes pour le construire et à chaque fois qu'il demande, il te dit que il pas commencer pour le camper dans la route, il attend rescopes. Donc, c'est le sénateur La Tortue qui t'a aidé mairie Saint-Marc dans la démarche que tu as fait et que mon compagnie qui t'a payé 10 millions de gouttes. Mais 10 millions de gouttes là, c'est mairie Saint-Marc que tu as joint. D'ailleurs, il t'a fait à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Moi, parler de dossier ça parce que de temps en temps, bon mon cap soulevé, de temps en temps, bon mon cap parler de lui pour faire provocation, comme nous dans l'opposition, et m'a metté tout dossier, puisque tout le monde connaît, il a parlé de moi de l'homme dossier. L'un dossier, moi toujours conservé dossier, et m'a dit, mon yo,
m'a dit journaliste que et Roberto qui a fait photocopie tout document yo pour yo voyer ba yo. Dernier dossier que nous allons parler, c'est dossier nous entendez à parler Gonaïve de complexe administratif que on a construit dans Gonaïve avec BID, c'est une banque interaméricaine de développement. En 2006, tu as gagné un projet pour construire 10 complexes administratifs. Et moi-même, j'étais très intéressé pour pas Gonaïve là qui construit pendant le gouvernement Gérard Latortue. Mais c'est BID qui l'a construit. Et BID lui-même, tu fait appel d'offres, tu choisi compagnie parce que c'est lui qui t'a financé, c'est pas comme l'État haïtien. Le ça, compagnie a un problème avec BID. Et BID vient couper le contrat, il y a la justice, ça prend un pile temps, 6 à 7 ans. Il n'y a pas de résoudre le problème là. En fin de compte, BID vient couper le contrat. Et BID, pour quoi refait appel d'offres. L'homme retourné sénateur en 2016, eh bien, c'était une revendication pour nous faire reprendre la construction complexe administrative. Et là, ça a mal joint responsable BID là, qui était Yvon Melenger, mal joint responsable là, moi dit que c'est extrêmement important, non, Yvon vient après, mais responsable qui était là, c'est extrêmement important pour nous recommencer à complexe là. Il dit nous que pas de problème, il va regarder. Il regarde, il recherche fonds pour le construire, et puis à un certain moment, il dit que ce n'est pas priorité gouvernement, nous ne pouvons pas investir comme là, parce que faut exécutif là orienté. Mais pendant ce temps, que BID dit ça, sur le terrain, autant de monde gouvernement a répété que le sénateur Latortue bloqué complexe là, ou du moins dévié comme complexe là. Eh bien, sénateur Latortue qui s'est l'homme dossier, toujours dans le dossier. Mais, pas fait back. Le 11 septembre 2020, allez bien, et pas qu'on y a non. Là, nous en février 2020. Moi, j'écris BID. Moi, j'ai dit BID. Ou dit que ou pas qu'à continuer. C'est le gouvernement qui bloque. Moi, t'as remis au fond notre explicatif pour vous expliquer ce qui a passé dans le complexe là. Parce que pendant que le gouvernement bloque, mais a dit que c'est le sénateur qui bloque. Et BID est jeune, accusé réception, que l'homme t'a parlé dans le téléphone, il a dit que jeune accusé réception, il a fait suivi. Mais l'aide que nous avons écrit, parce que nous connaissons dans le dossier en Haïti, surtout dans l'opposition, il faut toujours qu'il y ait tout papier pour qu'au moment opportun, l'un des gens pour avancer et il se dit pour faire marchandage pour vocation politique. Donc, ça, c'est le troisième dossier après question parlement, université, mairie. Ça, c'est un dossier complexe administratif de Gonaïve. Et je parle de Roberto pour le faire photocopier toutes les lettres pour voir par tous les journalistes en façon pour que les gens ne viennent pas essayer de faire diversion avec nous. Le ça, nous tous les dossiers dans même. Ça, c'était quatre dossiers que nous avons parlé de eux. Mais moi, je vais tout profiter, puisque nous sommes hommes d'État, par souci de transparence et pour la population. Je vais tout profiter de parler de deux autres bagailles qui est extrêmement important et que je pense aujourd'hui, l'heure où on campe devant le peuple haïtien, ou appeler pour servir le peuple haïtien, il faut toujours bailler toute vérité parce qu'il y a des heures où pas parler, il y a viré parole là contre vous. Deux heures que moi-même, moi j'ai gagné, occasion que je géré comme l'État, c'est l'homme des présidents du Sénat. Avec leur comme coordonnateur Haïti en action, ils ont nous en subvention pour bâtir. De leur saillot, premièrement comme président Sénat. Comme président Sénat, l'heure que moi quitté président Sénat, c'était en janvier, deux jours avant, moi écrit la Cour des comptes. Moi demandé de faire audit pour moi sous dossier, puisque pendant un an, moi j'étais président, moi j'étais co-signé avec Kister. Et Cour supérieure des comptes et recevoir les moyens. En mai 2019, Cour supérieure des comptes écrit Sénat, qui voyait rapport de gestion, qui sont rapports favorables, qui sont rapports qui n'ont pas rien à voir avec ni malversation, ni rien qui cochu, et recevoir un rapport favorable. Moi, j'ai une copie pour moi et une copie dans le Sénat
de la République. Nous devons souligner, parce que le plus souvent, l'offre d'administration de l'État n'est pas parlé, n'est pas dit tout bas, il y a rien. Soit que n'est la peur que son candidat, eh bien, il faut gagner, soit il veut un problème, soit il veut détruire. Voici le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mai 2019. Deuxième, l'heure que nous avons une chance, que nous avons une possibilité pour nous gérer comme l'État, c'est une subvention que nous avons bail Haïti en action. Nous bail subvention en seule fois, pour 3 mois. Et subvention, ça, nous dit, l'État a une subvention, il faut faire un rapport dans le ministère des Finances et un rapport dans le Cour des comptes de comment comme ça, il est dépassé. Et après que comme ça a été dépassé, le 8 juillet 2019, nous avons un rare parti qui a écrit, M. Ronald Dessan, qui a écrit un rapport de dépenses qui a fait pour comme ça que les bailles subvention. La loi a demandé pour que nous écrit pour supérieur des comptes. Nous avons écrit M. Volmar, qui est président de la cuisine réception, et nous-mêmes, nous avons dit qu'il a fait suivi. Parce que vous n'avez pas remarqué rien qui était passé à côté de la loi dans les dépenses que nous avons fait. Donc, moi, je vous dis, ni dans l'homme de gain possibilité pour te gérer comme l'État, que ce soit dans le Sénat, mes rapports favorables, ni dans l'homme de une subvention, mes rapports que la loi m'a nous pour nous soumettre à le ministère des Finances et à Cour des comptes. Je dis tout le monde, je dis que dans tout ça, nous avons parlé là. C'est pour nous dire. Dans ça, nous-mêmes, nous fait pas de corruption. Nous avons dit, je dis, il y a une pile manipulation qui a fait. Nous, avons un journaliste qui était en parlé, et il s'est saisi le dossier, manipulation a fait. Nous avons dit, attention. Pas de monde qui a fait reculer la bataille que nous avons fait. La bataille que nous avons fait, c'est une bataille démocratique. Moins dans l'opposition démocratique. Le, nous-mêmes, nous avons opposition, nous manifestons soit dans le Sénat par rapport que nous faisons sur Petro-Caribé, Dermano, Sofidal, Parade Noël, Agri-Trans, Cabri, Lambadère, Blendé. Et l'autre semaine, nous allons faire un rapport extraordinaire sur 4 Dermano et sur sécurité dans le pays. Nous avons fait un rapport sur Covid. Nous avons fait 10 rapports déjà. Et je suis à l'aise lorsque je suis sénateur pour faire un rapport parce que là, ça ne va pas utiliser rien dans l'État. Parce que l'homme utilisé dans l'État n'est pas profité, faire provocation. Nous avons un rapport de 52 pages qui va le sortir sur 4 et sur la question de sécurité dans le pays. Donc, je dis tout le monde, manipulation, institution qui a été utilisée, camper. Parce que je dis à nous-mêmes, le bon bagaille qui arrive dans l'État, nous avons des dossiers. Le dossier nous toujours là. Nous n'avons rien que nous avons fait qui entre dans la corruption. Si vous avez un privilège, vous avez un sénateur, vous avez un coordonnateur, qui choisit. Et nous choisissons mon jeudi. Malgré le fait trop, c'est maman, nous tous nous avons là, il t'a aidé. Parce que l'heure en août, vous avez payé, il t'a en train de payer pour nous pour un bureau. Parce que plusieurs fois, avant, le bureau, moi, j'ai arrivé à un monde qui vient camper devant, dit qu'il n'a pas payé. Et c'est pour ça que je dis. Moi, j'ai voulu éclaircir le dossier ça, avec les journalistes. Moi, j'ai voulu porter une précision pour que tout le monde connaisse que je ne vais pas passer chaque temps après qu'on ait dit le dossier. Moi, j'ai voulu clarifier. Dis-moi, ne pas faire manipulation. Quitter nous faire travail. Moi-même, pour démocratie, ma bataille. Pour démocratie, ma bataille. Pour constitution, la bataille pour le peuple haïtien et encore une fois, nous remercions le peuple là parce que hier, il était dans la rue. En grand nombre, par milliers, par centaines et jusqu'à 1 million, ils ont dit que ils n'ont pas voulu insécurité, ils n'ont pas voulu kidnapping, ils n'ont pas voulu dictature, ils ont voulu, date 7 février 2021, que la Constitution dit, madame Lionel, finit.